Hey yo l'ami fan, c'était là, j'espère que vous êtes bien. Alors les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire le tuto de cette grange-là. Vous voyez, c'est la même que moi. Il y a juste une fenêtre en plus. Celle du fond, on la rajoutera dans la prochaine vidéo. Mais moi je vais vous faire ce tuto-là. De la grange. Alors, pour ce tuto, il vous faudra des blocs de quartz, des dalles de quartz, de la terre cuite rouge, de la pierre taillée, du gravier. Et ça, je vous présenterai ça après. Alors, comment, pour commencer, vous allez faire 5 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez faire 1. Là, vous allez faire 1, 2. 1, 2. Et après, je crois que c'est 1, 1. Attendez. Connerie. Ah non. C'est 2 2 2 comme ça, 2 2 1 2 comme ça. On va faire pareil de l'autre côté, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 1 2 2, 3. Non, c'est bien 3. Oui, 3. Après, vous allez aller 1, 2, 3, 4. Au quatrième bloc. Puis faire comme ça. Que là, au cinquième bloc, je crois. Moi, ouais, au cinquième bloc. Après, vous allez faire 2, 2, 1, 1. 2 2 2 comme ça, 1 comme ça, ça fera comme ça. Et puis là, vous mettez une dalle. Hop, là, vous pouvez tout remplir. Comme ça. À 5 de haut. Ne vous inquiétez pas, moi je vais utiliser World Edit pendant cette vidéo pour aller plus vite. Normalement ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis à chaque fois, vous allez suivre comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est pour après.
puis après vous allez refaire comme tout à l'heure. Vous allez monter à 5, 1, 2, 3, 4, 5, sauf que là vous pouvez suivre directement sur ça. C'est pour ça qu'on a fait, que j'ai fait ça tout de suite. Hop. Qu'est-ce qui est fenêtre, on le fera à la fin. Alors là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, vous prenez comme ça. Ce slash 700. Hop. Et puis à chaque fois, c'est toujours le même principe. Dites-moi si vous voulez plus de tutos. Plus de tutos build comme ça. J'essaierai d'en faire plus souvent. Hop. Et celui-là. Après, hop, vous allez refaire. Comme tout à l'heure, mettez un comme ça, puis vous montez, hop, hop. Là, vous pouvez tout recouvrir, je pense, ouais. Voilà, et pareil de ce côté-là. Voilà. Là, déjà, ça ressemble à ça. Là, vous allez mettre une ligne de dalle en dessous, comme ça. Vous la faites revenir sous ce bloc là. Pareil de ce côté là, du coup on avait mis la dalle tout à l'heure. Comme ça. Puis là, vous allez prendre vos pierres taillées et recouvrir le toit.
Hop, 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 comme ça. En fait, vous devez recouvrir toute la partie rouge. Donc moi je vais faire comme tout à l'heure avec /788. Vous allez faire exactement le même principe de ce côté-là. Hop. Hop. Hop, ici. Ici et ici, voilà. Maintenant, vous pouvez recouvrir comme ça, hop. Ne vous inquiétez pas, le centre, on s'en occupera après. Déjà, on peut faire comme ça, c'est sûr. L'entrée, elle monte de 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Hop. Sur le cinquième bloc, vous faites ça aussi. Vous faites ça. Hop. Après cette partie-là, vous pouvez fermer. Et à partir de 1 aussi. Ça. Après, vous allez monter. Vous allez faire ça. Hop, comme ça. Vous allez monter de 2, 3, comme ça. Et puis vous remettez une dalle comme ça. Là, vous avez la première fenêtre. Après, il y a une fenêtre qui est sur le toit. Essayez de pas faire comme moi, essayez de casser proprement. Voilà, voilà. J'ai cassé ici là. Vous allez prendre, j'ai oublié, le verre. Puis là, on va s'occuper de cette fenêtre-là aussi tout de suite. Alors c'est à 1, 2, 3, 4. De hauteur aussi, ouais, 3. Hop, et puis vous faites le même principe que la grande fenêtre là-bas. Hop, hop, voilà. Là, vous allez mettre du verre. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre comme ça aussi.
Sinon, vous n'allez pas voir l'intérieur quand ça fait comme ça. Vraiment, il n'y a aucune différence. Ouais, voilà. C'est juste que c'est sur deux épaisseurs. Là, vous allez remplir tout l'intérieur de gravier. Hop. 7, 13. Même au niveau de la porte là. Hop, ici aussi. Voilà déjà qu'est-ce que ça fait. Maintenant, il faut s'attaquer à... Ah, il faut des escaliers aussi. J'ai oublié. Il faut les mettre où? D'accord. Vous allez prendre des escaliers et les mettre ici et ici, je crois. Vous allez avancer de... Vous allez prendre les... Hop, les trappes. Faire une, deux, trois. Mettez comme ça. Alors, vous mettez deux comme ça en avant et une dessus. Hop. Non, moi. Vous essayez de bien les mettre. Ici, vous laissez. Ici, c'est où il va avoir l'échelle. Comme tout à l'heure, un au-dessus et le reste contre. Voyez, il n'y a que les blocs là où il faut qu'ils soient sur la surface là. Après les autres, il faut qu'ils soient sur le bleu, sur le haut du bloc en dessous. Après, là ça va être fini. Vous allez prendre les échelles et les barreaux. Les échelles, vous montez comme ça. Hop. Je sais pas si on a laissé, s'ils ont laissé la première. Bon, on va passer par la porte. Ouais, vous voyez, je l'ai bien fait. Je l'ai laissé pendre de 1. Là, vous allez prendre vos barreaux et puis tout simplement. Faire la barrière pour pas tomber. Hop, comme ça. Bah, le tuto est fini. Je vais regarder si j'ai rien oublié. Après, on pouvait très bien faire ça. Alors là, c'est encore, c'est avec de la, c'est avec de la, comment ça, de la terre cuite. Et vous pouvez très bien faire ça. Slash. On va poser 2. Et je sais plus c'est quoi, c'est ça. Replace ça par 251. Le point 14. Par du béton rouge. Voilà. Ça fait mieux. Ça fait mieux avec du béton. Voilà. Et après, ça vous donne une magnifique grange. Pour vos fermes et tout ça.
Bon, ici, comme vous voyez, il y a du pa y a de la paille, il y a un tracteur ici. Et puis à l'intérieur, il y a de la paille et puis tout ça un peu partout. Vous pouvez en rajouter aussi un peu de paille. C'est une grange, pourquoi pas. Hop, on va en rajouter. Petit peu de cet angle-là. Petit peu là. Là, pourquoi pas, voilà. Hop. Faites comme vous voulez. Alors les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu que c'est la plus longue vidéo, je pense, de ma chaîne. Mais alors moi, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis, c'était Taylor pour vous servir. Allez, ciao, ciao.